Camarades militants, mesdames et messieurs, il y a de cela un mois, le camarade Charles Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, avait pris deux importantes décisions. Le 17 août 2021, il avait déjà procédé à la nomination de M. Hyacinthe Nobou et de Mme Solange Tagro, respectivement en qualité de directeur de cabinet et de porte-parole du président du parti. Avec ces nominations, le président du parti venait de mettre fin et de combler un vide vieux de plusieurs mois, donnant ainsi un souffle nouveau à son cabinet. En attendant son retour au pays pour la nomination d'une nouvelle direction du parti, le président a aussi décidé de la mise en place d'un comité opérationnel devant assurer la vie et le bon fonctionnement du parti. Il a instruit le secrétaire général du parti dans ce sens. Ainsi, sur proposition du secrétaire général du parti, le président du parti a procédé à la nomination des membres du dit comité. Camarades militants, mesdames et messieurs, aujourd'hui je me tiens devant vous pour vous communiquer cette importante décision du président du parti. Décision numéro 015/15/09/2021/COGEP/PRESI portant nomination des membres du comité opérationnel du COGEP. Le président du parti, vu la constitution de la République de Côte d'Ivoire, vu la loi numéro 93-668 du 9 août 1993 relative aux partis et groupements politiques, vu les résolutions du premier congrès ordinaire des 17 et 18 août 2019, vu les statuts et règlements intérieurs du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, vu les nécessités de service, les objectifs du parti, sa vie et ses besoins de fonctionnement, sur proposition du secrétaire général du parti, conformément à la décision numéro 014/18/08/2021/COGEP/PRESI portant nomination du secrétaire général porte-parole du parti, décide. Article 1. Sont nommés membres du comité opérationnel du parti les responsables dont les noms et prénoms suivent. Président Roselyne Bly, vice-président chargé du secrétariat permanent du comité, Martial Yavo, cellule chargée de l'implantation et du suivi, Mariam Olemou, Jean-Claude Nyawa, Saïri Oupo, Alain Niapi, cellule chargée de l'éveil et de la mobilisation des militants, Joël Poté, Ibrahim Zedia, Kelly Yazi, chargé de la gestion du siège, Pelagie Obou, cellule chargée du recouvrement, de la mobilisation et de la gestion des ressources, Galbertine Balo, Aka Benjamin Niepo, Pascal Guela, chargé de l'organisation des manifestations du parti, Désiré Lekbeli Di Manitou, cellule chargée de la formation et de l'encadrement des nouveaux militants, Vanier Diezou, Dominique Coco Abdon, Olivier Gbalé, Jean Ira Titi,
cellule chargée de la communication, Carole Kadia Nyepo, Olivier Nyawa, Marcel Gaudy, Christian Begré. Cellule chargée de la prospective et de la clarification, François Guinan, Georges Bélignon, Ernest Ozoukou Boga, Dali Gougougnon, Éric Guitier, Atali Orso. Cellule chargée du social et de la solidarité, Mulanie Seri, Anastasie Dozon. Article 2. Le comité opérationnel dont la mission principale est d'assurer la vie et le bon fonctionnement du parti est responsable devant le secrétaire général du parti. Article 3. La mission du comité opérationnel prend fin dès que le président du parti aura procédé à la nomination de la nouvelle direction du parti. Article 4. La présente décision abroge toute disposition antérieure contraire. Article 5. Le secrétaire général du parti est chargé de l'exécution de la présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature et qui sera publiée partout où besoin sera. Fait à La Haye, le 16 septembre 2021, Charles Goudé, président du COGEP. Camarades militants, mesdames et messieurs, à chaque génération sa mission. Charles Goudé a pleinement rempli la sienne en voulant au secours de la Côte d'Ivoire au moment où elle avait besoin que ses institutions soient défendues. Aujourd'hui, c'est Charles Goudé qui a besoin de nous, sous aucun prétexte. Nous ne devons l'abandonner. C'est pourquoi tu es invité à prendre toutes les dispositions nécessaires pour participer à la double cérémonie de présentation officielle du comité d'accueil et du panne du retour du président Charles Goudé. C'est ce samedi 25 septembre 2021 à 10h à l'hôtel Bellecote. Toujours dans sa quête de partager son expérience avec la jeunesse et de la mobiliser autour de valeurs, Charles Goudé animera par ailleurs ce samedi 18 septembre 2021 à La Haye une importante conférence. Cette conférence sera retransmise en direct sur sa page Facebook officielle. Événement à ne pas manquer. Camarades militants, mesdames et messieurs, notre pays revient de loin, de très loin. Ensemble, nous devons recoudre ce qui a été déchiré. Restons concentrés sur nos objectifs prioritaires, sur nos objectifs communs. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.